En manchette aujourd'hui, la vaccination devient obligatoire pour les travailleurs de la santé. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au pupitre. Donc, pour ce bulletin du 7 septembre. Plus tôt aujourd'hui, il y a eu conférence de presse impliquant le premier ministre François Legault, premier ministre du Québec. Il était accompagné pour l'occasion du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Donc, ils ont fait le point sur la situation de la COVID-19. On écoute un extrait de cette conférence. Donc, je veux commencer d'abord, encore une fois, vous dire toute la fierté que j'ai envers le peuple québécois. 87 % des Québécois ont accepté d'aller chercher au moins une dose. 87 % à l'école, c'est une bonne note. 87 %. Donc, je veux dire toute l'admiration que j'ai pour la nation québécoise, pour cette marque de solidarité, parce que c'est d'abord une marque de solidarité. Par contre, c'est là, il y a un mais, c'est que même s'il reste seulement 13 % qui n'ont pas eu au moins une dose, il reste qu'actuellement, avec le variant Delta, c'est très contagieux, puis on voit le nombre d'hospitalisations augmenter. C'est important de le dire, là, la science, ça compte. C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est important de le répéter, là. J'ai même un chiffre pour vous. Si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte, le vaccin. Et, on est dans une situation, effectivement, où ça continue d'augmenter. Je vous donne quelques chiffres juste pour situer les choses. D'abord, c'est important de le dire, là, les cas, c'est une chose, mais étant donné que ce n'est pas tout le monde qui développe la maladie, ce qui est surtout important, c'est le nombre d'hospitalisations. Il y a un mois, exactement un mois, on avait 55 hospitalisations. Aujourd'hui, on a 171, donc 5 fois plus. Puis quand on parle avec l'INES, l'INSPQ, les experts de la santé publique, ils prévoient que ça va continuer d'augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la situation est difficile dans les hôpitaux, dans le réseau de la santé, un peu comme partout ailleurs. Là, je parle avec les premiers ministres des autres provinces, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. On manque de personnel. On manque, entre autres, d'infirmières aux soins intensifs. Là, des infirmières d'expérience qui sont capables de travailler dans les soins intensifs. Puis on le voit un peu partout dans tous les hôpitaux. Ça déborde. Et quand je dis que ça déborde, pas qu'il nous manque de lits. On a assez de lits. Mais il manque d'infirmières. Faut le répéter, là, va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi, ça? Apprendre à vivre avec le virus? Ça veut dire que pour un bon bout de temps, va falloir accepter un certain risque. On ne veut pas reconfiner. Ça veut dire qu'il va falloir, pendant un bon bout de temps, accepter qu'il va y avoir des personnes qui vont être hospitalisées pour la COVID. Ça veut dire que ça ajoute au travail du personnel du réseau de la santé, parce qu'on veut continuer à soigner les patients qui ont d'autres maladies, mais là, on vient en plus ajouter les patients COVID, puis on se dit, là, il n'est pas prêt d'arrêter d'avoir des hospitalisations pour la COVID. Le ministre Dubé a par ailleurs précisé que les travailleurs de la santé non vaccinés au Québec seront suspendus sans solde à compter du 15 octobre prochain. On écoute le ministre. Maintenant,
maintenant, on a reçu un avis formel de la santé publique. Puis, je vous annonce qu'à compter du 15 octobre, tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux devront être vaccinés, autant ceux du public que du privé. Notre réseau de santé, comme le premier ministre vient de le dire, est sous une pression qui est déjà très grande, particulièrement dans la région de Montréal, et cette pression-là pourrait s'accentuer dans le reste du Québec dans les prochaines semaines. Alors donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des travailleurs qui mettent des personnes vulnérables à risque. Il y en a déjà beaucoup qui sont épuisés, mais en même temps, on ne veut pas en perdre davantage. Et vous lisez comme moi les journaux tous les jours et on en perd régulièrement, malheureusement. Alors, c'est une mesure qui est pour les employés autant que pour les patients. Je le répète, le réseau de la santé doit être sécuritaire. Maintenant, dès l'entrée en vigueur de ce décret-là, les employés qui sont non vaccinés vont être suspendus sans solde à compter du 15 octobre. Allez-y maintenant, donc je parle à tous les employés des réseaux santé publics et privés. Il ne vous reste quelques jours pour vous faire vacciner, parce que si on compte le délai de 24, de 28 jours, il faut absolument que vous le faites dans les prochains jours si vous ne voulez pas être suspendu malheureusement à compter du 15 octobre. De plus, les personnes qui vont visiter les gens à l'hôpital, personnes, les proches aidants, les visites, devront maintenant présenter le passeport vaccinal pour accéder à tous nos établissements. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. On va suivre la situation de très, très proche pour voir comment la situation évolue, et je le répète, particulièrement dans la région de... Dimanche, Rote-Hélène Brosseau a inauguré son bureau de campagne électorale à Berthierville. Ses bureaux sont situés rue Notre-Dame. Elle en a profité pour rencontrer plusieurs bénévoles qui l'appuient et qui travailleront à sa campagne. Voici un petit extrait de cette inauguration, suivi de quelques images de ses locaux électoraux. Installé à la hâte là, dans les derniers jours, mais on est vraiment content de l'ouvrir aujourd'hui, notre local, puis de vous inviter à le visiter et à le voir. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Évidemment, avec la pandémie et la recrudescence de cas là, dans notre région, on a décidé de garder ça assez simple. On voulait vous recevoir, vous offrir à manger, vous offrir à boire, votre santé, c'est vraiment notre priorité. Fait qu'aujourd'hui, on garde ça simple. L'important, c'est de vous voir, pouvoir vous parler, puis que vous puissiez discuter avec Mme Brosseau, donc, aujourd'hui. Voilà, donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre candidate favorite, extraordinaire, Rote-Hélène Brosseau! Karaoké? Oui. Je ne chante pas. Si je chante, vos oreilles vont saigner. Merci. Merci tout le monde d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Pour vrai, il y a des visages que je n'ai pas vus en personne, chair et os, depuis 2 ans. Ce sont des gens aussi qui étaient là lors des campagnes 2015-2019. Et merci d'être là encore aujourd'hui pour l'élection, la campagne qu'on vit présentement. Trafic, hein? Merci à tout le monde qui a travaillé fort pour monter le bureau de campagne. Vous avez fait ça extrêmement vite. Je veux souligner la présence de Dani Gelina du syndicat de l'impôt. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, ça y est, ça fait un petit peu plus qu'une semaine que j'ai annoncé, je me suis déniaisée. Est-ce que je suis folle? Je ne sais pas. Mais j'ai annoncé que j'avais l'intention de me présenter comme candidate du NPD dans Berthier-Masquinongé. Tout a déboulé vraiment rapidement. Il fallait qu'on signe les papiers, l'acte de candidature. On est arrivé au bureau de campagne avec 200 cucs. Merci à tout le monde qui a contribué parce que quelques jours plus tard, j'étais approuvée pour être candidate lors des élections. Mais pourquoi que je voulais me porter candidate? Pourquoi me lancer dans cette folie qui est la politique fédérale?
Je me lance parce que je vous aime. Je vous aime tellement. J'aime les gens. Je me suis ennuyée tellement depuis 2 ans. Puis pendant la pandémie, c'était pas facile. C'était pas évident. Plein de monde. Puis je voulais me représenter, trouver des solutions, proposer des solutions, puis avoir de l'action pour les gens de chez nous. Je veux aussi souligner qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc, je veux une pensée et remercier tous les travailleurs et les travailleuses qui ont travaillé tout au long de la pandémie, des travailleurs extraordinaires, des gens dévoués, des gens déterminés. Ça nous prend un gouvernement qui va vraiment défendre les travailleurs et les travailleuses, que ce soit l'assurance chômage, notre centre fiscal à Shawinigan, conserver ces emplois-là, la bilinguisme. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, t'sais, j'ai le goût de m'abattre encore pour les gens de Berthier-Masquinongé. J'ai le goût de faire bouger les choses, de me rapprocher des gens et avancer. Depuis 2 ans, j'ai eu la chance de travailler à la ferme. Honnêtement, il n'y a rien que je ne fais plus, que je ne fais pas à la ferme. Tu peux demander à mon chum, là. Je fais de tout. Puis avec cette expérience-là, en agriculture, en entrepreneuriat, je pense que je vais être une voix encore plus forte à la Chambre des communes pour défendre vos intérêts. Ce temps-ci, avec cette élection, je pense qu'il n'y a personne qui voulait se retrouver en élection. La seule personne, c'est évidemment le premier ministre sortant, je ne vais même pas dire son nom, là. Encore aujourd'hui, il n'est pas capable de nous dire pourquoi on est en élection, sauf pour ses propres intérêts personnels. T'sais, il ne voulait plus travailler avec les autres partis politiques, puis c'est plat. Mais c'est le moment où on doit vraiment retrousser nos manches et travailler fort ensemble. Il ne faut prendre rien pour acquis. Puis les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça affecte les futures générations. Ça affecte nos enfants, nos petits-enfants. Ça peut être pour l'environnement. Ça peut être pour l'économie. Mais les décisions sont importantes. Puis j'ai vraiment, vraiment espoir qu'on va faire une bonne campagne. Je sais qu'on va faire une maudite bonne campagne. Yeah! Yeah! Mais on va le faire ensemble, puis on va avoir du plaisir. Mais l'objectif, c'est de s'amuser, être positive, proposer des bonnes solutions. Puis honnêtement, je veux célébrer avec vous à la fin, le 20 septembre. Peu importe la décision qui est prise par les électeurs et les électrices, on va avoir du plaisir, on va être fiers du travail accompli. Mais l'important, c'est de sortir le vote. Sortir le vote. T'sais, on a la rentrée scolaire. On a plein de défis. Il faut qu'on motive les gens d'aller voter. Donc, je pense ensemble, si on travaille ensemble, si on retrousse les manches, on va être capable de faire qu'est-ce qui est extraordinaire. Donc, merci tout le monde d'être là. On va faire, je pense, des visites. C'est ça, Charlene? Oui. Du bureau de campagne. Donc, il y a du gros travail qui va être fait ici. Mais si je peux compter sur vous aussi de nous donner un petit coup de main, si vous avez quelques minutes par semaine, on le prend. Si vous êtes capable de vous déplacer ici, on le prend. Si vous êtes capable de rester chez vous puis faire des appels, appelle les gens dans ton rang, dans ton village, voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur priorité, leur demander si on peut avoir leur appui. Ça fait toute la différence. Donc, merci tout le monde d'être là. J'ai hâte de vous parler plus. Un à un, mais merci, ça me fait vraiment plaisir. Petite correction, cette inauguration, c'était bien lundi, jour de la fête du travail. Allons à la pause. We'll be right back.
petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Bien, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici donc les anniversaires en ce 7 septembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Richard Latour et un heureux anniversaire à Jacques Beaufort. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, souhaite bonne fête à Claudel Robillard. La popote roulante maintenant, la popote roulante du Centre d'action bénévole d'Autré. Eh bien, on pourrait dire que ça roule bien à la popote roulante. Nous en avons justement parlé avec Julie Morin, qui est adjointe à la gestion et à la promotion au Centre d'action bénévole d'Autré. On l'écoute. Popote, elle explose. Ça va bien. Ça va bien. La popote va bien. On rappelle que c'est des menus qui sont livrés ou qui peuvent être allés chercher directement. Oui. Au CABA. Oui. Et c'est lundi, mercredi, vendredi. C'est encore ça, ça n'a pas changé. Bien, les repas chauds sont livrés le lundi, le mercredi, le vendredi à domicile. Donc, pour avoir accès à un repas, il faut contacter Josée Desrosiers, la responsable. Surtout quand c'est votre première fois, là, elle vous explique tout comment ça fonctionne. Puis, vous avez un menu mensuel. Le menu, vous l'avez au CABA, mais sinon, vous l'avez sur notre site Internet aussi. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas cocher sur notre site Internet. Par contre, ça vous donne le menu du mois. Il faut contacter Josée Desrosiers pour votre première commande. Donc, vous avez les menus. Puis, ce qui est important, c'est que ça soit commandé au moins 24 heures à l'avance. Aussitôt que vous le savez, là, vous pouvez compléter votre menu du mois. Puis, si jamais il y a une journée que vous ne pouvez pas, parce que vous avez un rendez-vous ou quelque chose, il y a moyen de s'organiser, soit qu'on l'annule ou on le laisse dans une glacière, fois sur le bord de la porte, ça arrive des fois. Donc, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un bénévole qui va chez vous, qui vous dit bonjour, qui vous apporte votre repas pour 6,50. La soupe. Transport inclus, là. Oui, la soupe et le repas principal. Les desserts sont à part, si vous voulez avoir des desserts. Puis je vous donne un exemple, c'est assez varié, c'est le fun pour une popote roulante, c'est vraiment varié. Vous avez des classiques. C'est le hamburger steak, la lasagne, mais vous avez d'autres repas, un gratin d'aubergine au parmesan. Ça, j'ai rendu un petit peu de végétarien, végan. Oui. Oui. Selon les tendances, avec plein de... croque-monsieur à la tartinade de tofu et épinards, bœuf à la bière. Il y a même des kefta végétariens, les boulettes avec sauce aux légumes, un mijoté de légumes à la marocaine, chauderie de poisson et maïs. C'est super varié, côtelettes de porc. Il y en a plein. Allez voir sur le site Internet ou venez chercher votre menu au CABA. Ça va vous donner une bonne idée. Puis, vous n'avez pas de contrat. C'est ça qui est bien, moi, il y a cet aspect-là, mais c'est l'aspect aussi accessibilité. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne de votre service de la popote roulante, c'est que vous ne faites pas de distinction entre un travailleur, quelqu'un à la maison. C'est pour tout le monde. Ça pourrait être livré ici, tu sais, là, en entreprise, partout. Oui. Vous décidez de payer des repas à des gens et tout. Par contre, la popote du Centre d'action bénévole d'Autry, c'est pour tout le monde. Puis ça, on le dit de plus en plus, les gens ne le savent pas, mais on essaye d'en parler de plus en plus. C'est comme Daniel a dit, que ce soit pour un travailleur, même on avait déjà pour les garderies à l'époque. C'est tout le monde peut commander, vous n'avez pas besoin d'avoir une raison. Puis ça peut être pour un court moment, vous êtes en convalescence, vous avez besoin de repas pour une courte période. Vous commandez, puis après ça, c'est terminé. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Est-ce que tu as calculé maintenant là, combien de repas? Tu me dis que ça a augmenté, mais... Je pense qu'on est rendu à 130. On est passé de 70-80 à 130 repas par jour, plus les produits dérivés. Les produits dérivés, ça fonctionne beaucoup. Les fameux biscuits. Il y a des biscuits, de la sauce à spaghetti, il y a des lasagnes congelées, il y a du poulet congelé, il y a toutes sortes de choses, des pâtés, des tourtières, pâtes au poulet, pâtes au saumon. Les tartes sont faites avec des vrais fruits maintenant. Donc, tarte aux fraises, tarte, puis les prix sont très abordables. La seule chose, c'est qu'il faut commander idéalement à l'avance. Il faut appeler avant de se rendre, parce que des fois, si l'inventaire est plus bas,
Puis je sais que dans la période des fêtes arrive, vous êtes très, très actifs, vous préservez, on est capable de mettre des bons rapports. On parlait ce matin, justement, puis mes deux directeurs étaient à la popote pour aider parce qu'on manquait de personnel. Puis là, les bénévoles ne sont pas revenus encore à la cuisine. Donc, la chef, elle disait, la chef Andréane, elle disait, c'est comme Noël. il y avait de l'action, il n'y avait plus de biscuits, tu es en train de faire des biscuits, ça roule. Les policiers de l'escouade régionale mixte Rive-Nord ERM, donc l'escouade régionale mixte de la Rive-Nord, avec la collaboration des postes principaux et auxiliaires de la MRC de Daudré ainsi que le poste de la MRC de Joliette, ont mené une importante opération le 2 septembre dernier. Objectif, démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opéraient dans la région de la Naudière. 9 personnes ont été arrêtées, soit 3 hommes de 26, 30 et 57 ans et une femme de 57 ans, tous de Berthierville. 2 hommes de 25 et 31 ans de Sainte-Geneviève-de-Berthier. 2 hommes de 44 et 72 ans ainsi qu'une femme de 41 ans, cette fois de la Noraie. Tout ce beau monde fait face donc à des accusations diverses en matière de stupéfiants relatives aux armes à feu. Ces arrestations font suite à des perquisitions qui avaient eu lieu en février dernier et qui avaient permis la saisie de plus de 30 grammes de cocaïne, plus de 700 fioles de Cialis, environ 4 kg de cannabis, près de 25 g de résine de cannabis et 3 plants de cannabis, plus de 2000 comprimés de méthamphétamine, on va l'avoir, plus de 18 000 $ en argent canadien, aussi de l'argent américain, et 18 armes, on parle d'arbalètes, d'armes longues de différents calibres, de fusils prohibés, des armes de poing et à air comprimé, et environ 1400 munitions et du matériel divers servant au trafic des stupéfiants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle, notez bien le numéro 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. On y va maintenant dans un tout autre registre. 613 places subventionnées seront créées en service de garde éducatif à l'enfance dans la région de La Naudière. Pour mieux répondre aux besoins de garde grandissants, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la région de La Naudière, Caroline Proulx, annonce aujourd'hui la création de 613 places supplémentaires en service de garde éducatif à l'enfance dans la région de La Naudière. Dans les derniers jours, le ministre de la Famille a annoncé la création totale de 9014 places supplémentaires. Le gouvernement du Québec double ainsi le nombre de places annoncées en octobre dernier lors du lancement d'un appel de projet de 4359 places. Ce qui démontre, dit le gouvernement dans un communiqué, ce qui démontre donc la volonté d'offrir à terme une place pour chaque enfant. Concrètement, ce sont 12 projets qui seront réalisés dans La Naudière, et ce, dans un délai de 24 mois, et qui aideront à résorber une partie du déficit de places. Ils pourront aussi voir le jour c'est-à-dire dans des installations temporaires. Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, ministre responsable de La Naudière, souligne « La région de La Naudière affichait un déficit important de places subventionnées. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour nos familles qui pourront bientôt profiter de plus de 600 nouvelles places dans les services de garde éducatifs à l'enfance. La situation des parents de jeunes enfants n'est pas évidente en ce moment, et chaque geste posé pour résorber le problème de manque de place doit être souligné. Notre gouvernement est en action et pose des gestes significatifs pour régler le problème », a conclu Caroline Proulx.
Prou. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment! CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie le 29 août dernier à 89 ans est décédée Mme Cécile Sylvestre, épouse de feu Charles Bélanger de Saint-Norbert. L'ayant précédé son arrière-petit-fils Loïc, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain Bélanger, Éric Bélanger, Rachel Henry, Nicole Gendron, Gilles Belmar, ses quatre petits-enfants Charles-Antoine, Mélissa, Gabriel et Joanie, son arrière-petite-fille Ève, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Sylvestre sera exposée vendredi 10 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi 11 septembre dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le samedi 11 septembre à 10h30 à la chapelle du complexe. Mme Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à cette famille éprouvée nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Donc, du temps gris pour les prochaines heures. On parle ce soir, en ce mardi, cette nuit, passage nuageux, 15 degrés. C'est plus frais un peu. On parle de nuages. Mercredi matin, nuageux, toujours les nuages sur place, mais là, pourraient s'ajouter quelques averses. 18 degrés. En après-midi, c'est 23 degrés, le mercure prévu. On parle cependant de pluie. En soirée, toujours nuageux, cette fois avec des averses. 19 degrés au programme. Dans la nuit de mercredi, le ciel sera cependant variable. Il fera 16 degrés selon les prévisions. Donc, pour les prochaines heures, le gris est à l'honneur. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.